Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light, pas les deux, absolument pas. On est avec Katox, salut Katox. Salut. Et t'es prêt pour un début d'épisode en fanfare? Attends, regarde à droite. Qu'est-ce que tu fais? Non, t'as pas fait ça. Si. Si, et ça fonctionne. Ah, je pense que ça va être prévu, ça va pas drôle ça. Bah écoute, j'ai réinitialisé le marqueur de quête si tu veux, je te suis pour aller à la quête. Pour avancer tout droit, peu importe. Bon, je pense que ça doit être par là. Bah absolument pas, j'ai pas l'impression. T'es sûr? Ah mais attends, mais t'as tourné, t'es où? Ah t'es par là-bas. Je regarde par où est-ce qu'on pourrait aller. Non, moi je continue tout droit dans la... après le saut. Hein. Ah non, c'est par l'autre côté. Oh, c'est esquive. Ah ouais, on peut pas passer là. Si on peut passer. Si, mais je sais pas, je trouve que c'est plus court par l'autre côté. Ça passe sur le pont. Quand on fait la course. Affût de chasse repéré. Merde, ça c'est un arme. Je sais pas si c'est le soleil levant ou le soleil couchant. Bah je pense que c'est plutôt le soleil couchant là, je pense. Moi j'ai un œuf de chasse au pire si on veut essayer d'y aller en sécurité. Allez grimpe petite voiture, pimp. Et après tu redescends, parfait, c'est pas ça que je voulais faire. Mais admettons. Putain c'est sec ici. Volume indiqué sur la carte. Ah la vache, la bagnole planquée derrière le petit buisson. Ça pique. Trumps. Oh, c'est petit déjà. Après, j'avoue, je me suis raté pour piquer des voitures de flics. J'avoue que moi, j'ai roulé sur la route comme un gros sac là. J'avais une magnifique route avec une petite voiture à esquiver de temps en temps. Je me suis demandé pourquoi je pouvais plus accélérer, parce que en fait quand je me suis remis en voiture, je me suis remis à l'arrière. Ça joue. Bon, bah, par contre ça sera peut-être pas mal de trouver une zone safe avant la nuit, donc on va essayer de voir si on peut par exemple sécuriser cet affût de chasse. J'ai pas trop bien compris le trip des affûts de chasse encore, mais... Non plus. Je sais pas trop si c'est zone safe ou pas. Je pense pas, non, c'est juste un... Un pauvre truc en hauteur, ça me paraît un peu trop tiré par les cheveux. Alors, les bruits étranges du chat en chaleur ou du bébé. Est-ce qu'on va tomber sur un zombie enfant horrible ou est-ce qu'on va tomber sur un chat? Enquêter sur les bruits mystérieux dans le parc. Aïe, j'ai glissé. C'est pas ma faute. Des plantes ça? Non. Bon, pour l'instant les bruits mystérieux c'est des zombies. Je la sens bien cette nuit là. Ouais, ouais, surtout ce truc là avec... est-ce qu'on va tomber sur... sur un enfant là, juste quand le soleil se couche c'est... Ouais, c'est parfait. On peut rentrer dans ce puits là? Ouais, j'ai pas l'impression. J'ai un peu peur de vautrer dedans en fait. Ok, effectivement, il y a moyen de se vautrer dedans. Ah! Alors? J'entends effectivement un enfant qui pleure hein, tout au fond. Il y a des jouets d'enfants, des conserves et des dessins au mur. Où est-ce que je suis? Ah putain, c'est le fucking zombie qui chante et qui te fait des dégâts dans le temps là en chantant. Donc c'était plutôt l'enfant zombie. Oh, il est horrible quoi. On a quoi? C'est vraiment glauque. Ah ouais, effectivement. J'ai été obligé de l'étouffer à mort parce qu'il me hurlait dessus et que ça me faisait baisser ma vie quoi.
Découvrez pourquoi quelqu'un a stocké des provisions dans la grotte. Bah, parce qu'il y avait un enfant zombie dedans. Hein. Est-ce qu'il faut vraiment chercher plus que ça? J'ai peut-être tué trop vite. Non, ici il y a tout un truc à suivre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui entretient les enfants zombies. Ah oui, c'est vrai, pourquoi il y a des lumières dans l'eau là? Ce serait une Mary Poppins zombie. Hein. Une Mary Poppins zombie, mais oui, complètement. Bien sûr, pourquoi n'y avons-nous pas pensé? Et le mec il pensait que c'était une chatte en chaleur alors que c'était une Mary Poppins zombie quoi. Wow, c'est... Faut des sacrés poumons quand même. Là. Est-ce que les poissons peuvent être zombifiés? Ça c'est une question à se poser maintenant. Alors, je pense que j'aurais peut-être dû faire un arrêt respiratoire. Ah oui, là on dirait qu'il y a des... Ok, les petites poches d'air quand il y a des trucs, les lumières bleues, c'est les petites poches d'air. Ah. J'ai toujours pas vu, j'espère tomber sur une relativement vite parce que j'ai tombé à court. Je vais pas te mentir que je suis pas à l'aise. T'es genre pas serein. Là y en a une là, une petite lumière bleue. Ouais voilà. Donc on peut tout faire en one shot, tiens. Voilà. Ça c'est le vrai. C'est vrai, ils le font en one shot. Les vrais se noient, s'il te plaît, monsieur. Arrête de m'éclairer avec ta lampe là. Mais tu me tires dessus. Ouais. Fumier, j'ai vu les balles. Je t'ai fait des appels avec ma torche pour que tu puisses savoir où c'était. Tu devrais me remercier pour ça. Non mais je voyais très bien, t'inquiète pas. Ma torche. Ah oui, c'est un affût de chasse repéré. Bah super, je suis content. On est derrière toi. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'acharnes, c'est ça? À vous. J'ai réflexion, moi. Faut repartir dans l'eau là? Y'a pas un petit coffre avant, un truc du genre? Non. Bon bah. Plouf alors. Je sais pas pourquoi je sens le truc ultra glauque à la fin. Non. T'aurais pas dû te soigner un peu au cas où, genre, tu refasses tout en une fois? Non. Il est pas en vie, lui, non. Putain, ça se sépare en deux. Ouais, ok, là, c'est un trou d'air vers en haut, là. Où c'est? Hop. Ah, si tu suis les trucs bleus, là. Et quand il y a des trucs bleus, c'est qu'il y a de l'oxygène. La nuit arrive. Parfait. Excellent. On n'est pas du tout dans une position de faiblesse. Absolument pas. Je suis ultra serein. On va tomber sur un hydrapace et un mec avec ses enfants zombies là, je le sens bien. Mary Poppins, c'est la rapace zombie. Surtout que là où on va sortir, apparemment les voitures seront quand même relativement loin. On va pas se le cacher. Écoute, au pire on reprendra la flotte. Hein. Ah, il y a un truc bleu donc on peut aller prendre un peu d'air. C'est bien fait quand même, hein. Ça va être super angoissant comme truc, quoi. Enfin, j'avoue que... Tu te fracasses des méga tunnels et tout, avec des zombies à moitié morts dedans, et t'as juste des micro-poches d'air où... tu colles ta tête contre le plafond et tu peux respirer. C'est ça, quoi. Les zombies qui se mettent à bouger et tout, tu t'attends trop à ce qu'il y en ait un qui se réveille d'un coup. Je crois que je vais me soigner un peu en attente d'un éventuel rapace. Ah, et puis la lampe elle va finir par s'éteindre en plus. Forcément. Tu veux dire un rapace comme on voit juste là au-dessus? Ah putain sa mère. Qui tape dans le vide là? Ouais, est-ce que ça fait partie de l'event ou est-ce qu'on a juste tombé sur un rapace? Bah, je pense parce qu'on est au bout donc à mon avis ça doit faire partie de l'event. Hein. Hey, listen, please. On dirait qu'il tape dans je sais pas quoi, il doit être attaché. Tu crois? Bah, je sais pas, ouais, t'as vu, on dirait qu'il tape sur quelque chose qu'on voit pas. Non. J'ai pas confiance. En tout cas, Ah la
vache, l'enfer, quoi, il y en a d'autres. J'adore les petits trucs de lumière quand t'es en stress, de rouge sur ta carte quand t'es en stress. Ouais. Tu veux t'éviter, bah oui, c'est... T'as pas de poursuite si tu te butes avant. Il essayait de taper sur ce mec qui apparemment s'est réussi à se prendre une flèche. Je sais pas comment il a fait. Il s'est auto-tiré dessus peut-être. Ouais, tu merdes. Shit, okay, I'm listening. There, in there, that's my child. Don't let him die of hunger. Don't let him... Ça pue la merde, ça. Un carreau en acier. Ah, ça sent l'arbalète. Où ça? Donne-moi ton arbalète. Je sais pas, mais ce qu'il avait dans le bide, c'était pas une flèche, c'était un carreau en acier. Son enfant, c'est le truc qu'on a buté ou... Parce qu'à l'intérieur, j'imagine qu'il parle de la tente, mais y'a rien dedans. Ça se trouve, on a fait le truc à l'envers. Ah, peut-être, ouais. Avec la chance qu'on a de le faire à l'envers. Il sort, regarde. Attention, tu vas te faire allumer. Pourtant, il nous disait bien d'aller dans le parc, donc... dire pour ouais. Rater le gamin zombie, il fallait quand même y aller, quoi. Ne laisse pas mourir de faim. Bah, on l'a pas laissé mourir de faim. Hein. Techniquement. On l'a pas laissé souffrir non plus. Qu'est-ce que vous foutez là en pleine nuit, vous? C'est vous qui avez allumé le mec là? T'as une arbalète, toi. Ah. Nice crossbow. You boys hunting something? Yeah, a goddamn monster that's been stealing our food. I shot it, but it ran and hid in this cave. Did you not see it in there? Probably for the best, since it was wounded. Bah si on l'a vu . Well. Bah voilà, la quête donnée, récupérée. C'est bizarre cette double quête, quoi. Ouais. Si tu veux, j'ai ouvert le coffre. Hein. Ah. Mais qu'est-ce qui... Mais... Oh. Ouais, le rapace, ils auraient pas pu le shooter, quoi. Non, non. C'est... Le monstre, c'était le mec, c'est pas le rapace, enfin. Il volait de la nourriture, le fumier. Pas d'arbalète. Et toujours rien pour David et Laura. Bon, il y a un rapace à gauche. Une safe zone active, c'est le fameux Bilal, la station essence. Mais il faut remonter, choper les caisses, partir tout droit et aller à la station essence. Mmh. Remonter déjà, j'ai envie de dire que ce serait presque plus safe de repasser par le tunnel, quoi. Non. Il y a un fap, déjà au-dessus. Oui, non, mais je dis pas, mais je parlais de j'ai safe. J'ai une mauvaise idée, cours. Je suis pas là. C'est bon. Faut courir, mec. Mec. Ce qui est bien, c'est que t'es en train de courir en fuite. Tu te dis, allez, je vais ouvrir le coffre histoire de. Allez, de checker s'il y a des trucs dedans. Et il l'ouvre pépouze, en mode tout doucement. Voilà, et voilà. C'est la voiture à mamie, on va y aller, mono. Oh, mauvaise idée. Ouais, y'en a un juste à gauche là. Yep. Ça pique le fion. Ah. T'as failli m'écraser, fumier. Y'en a deux. Je suis Batman, je sais pas ce qu'on faire pour me dire que là. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il est... Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il est sur la voiture? Il y avait un petit truc tout à l'heure qui disait que si t'en avais un sur la voiture, il fallait foncer, rentrer dans des trucs, etc. jusqu'à ce qu'il lâche. D'accord. Et pourquoi moi j'ai pas l'info? C'était un écran de chargement quand une fois on est mort ou j'ai eu ça. Ah putain la barrière! Ah putain on peut pas passer! L'enfer, c'est bloqué. Et puis Gaspard, ils t'ont poursuivi toi. J'étais en voiture donc j'espère que... Pour l'instant, il n'y a personne. Par contre, j'ai fait ma voiture, elle s'est accrochée au coin peut pas de la... ça, sérieux. Poursuite au coin de la montagne.
Ah, la voiture est coincée. Je les ai trouvés. T'as trouvé qui? Les zombies? Des 4 rapaces qui me poursuivent maintenant. Parfait. Du coup, ça veut dire que c'est calme ici. Je vais pouvoir ouvrir cette ambulance. Après tout, hein, il faut crocheter les ambulances aussi. C'est important. Un kit de soins militaires. Aïe, mais qui a mis ce... Qui a mis cette voiture au milieu du chemin? Ah, t'es tombé sur le truc, la barricade, là? Ouais. Ça fait dit que c'était coincé. Je me crois jamais. Ah, mais je suis passé level 2 de pilote. Compétence, niveau de pilote. Ah non, absolument pas. C'est le truc qui est fucké. Ah oui, il y a des rapaces, effectivement, là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les feux de voiture, ça a pas l'air de trop les choquer. T'as réussi à passer du coup? Ouais, j'ai fait le tour. Ah oui, t'as fait le tour par en haut du coup? Ou... Ouais. Sur le côté, ouais, par en haut. Ça te passe par en haut. Allez, go. Faut pas en stress comme ça. Hop là. Allez, on aperçoit Cadox. Enfin, vite fait. Salut Cadox. Venir ici, hein. Ici. Non, par contre le zombie oui. Putain mais c'est un truc de fou. Ah, c'était quoi ça? Qu'est-ce qui a explosé comme ça? Ah, c'est peut-être parce qu'on utilise des armes incendiaires sur une pompe à essence. Ça peut jouer. Attends, j'essaie de le relever vite fait. Ça fait un joli. Ouais, je sais, mais bon. Tu peux l'achever là? Putain, mais arrête de taper dessus, mais je peux pas l'achever. Je vais l'achever. Meurs. Le mec a deux quoi, on n'arrive pas à les achever. Voilà. Aïe aïe aïe. Bon, c'était easy finalement. Pas de quoi se... Hein? Personne n'est mort. Franchement, on en fait tout un fromage, oui. Mais... Elle est où la porte d'entrée du gamin, là? Hop là. Ok, donc là, il y a l'hôtel de machin truc. La chanoinesse. On va éteindre la lampe de poche, c'est un peu anxiogène. Ah, il y a un plan dans le tiroir. Putain, ils ont une super machine à café avec un percolateur et tout quoi. On va enfin pouvoir se servir de tout ce café accumulé depuis longtemps. Je crois qu'on a tellement trouvé de café, on va faire tourner une barista pendant au moins 4 heures d'affilée. Hop, je lance pendant que t'es à côté. Excuse me, you the owner here? No. Hey, Nori, it's all right, buddy. Here you go. I'm Bilal. That's Nori, my brother. Kyle Crane. Pleasure to. Sorry. So, what can I do for you, Kyle? Well, I heard the locals might need a hand with a few things. Oh yeah, Jazir told me you'd come. I heard all about you. Listen, I'm just trying to help people back in the city. Hey, helping the infected? You don't have to explain that to me. I get it. My bro got bitten about 2 months ago. Wait, 2 months? And he hasn't turned? I couldn't believe it either, but hey, there he is, still in working order, unlike this wreck. Just take a look at the board over there. Jazir ain't lying. We could use plenty of help. And man, I'm envious of your ride. It's the only working vehicle I've seen for a while. Tell you what,
If you bring it back here and let me look inside from time to time, I'll give it some tuning up. Ça, c'est une bonne nouvelle. Make it even sweeter. Bon, avoir un truc utile avec du blindage. If you want to be helpful in the long run, take good care of it. I'm not exactly a mechanic. Then it's a good thing you're talking to me. Here's what you do. It'll be a long drive, but I bet my left hand it'll be worth it. There's a Silas truck stranded on a highway. Go give it a once-over, and if you find any useful parts. Le Graal du buggy. Ça me paraît une quête intéressante. Livrer la caisse. You got something for me, bro? Ah, c'est un intendant, on peut lui filer les... On peut lui filer des trucs, parfait. 3 bordereaux bonus d'Ain Light. Attends, je sais où j'en veux gratuit. Il nous file tout ça? Gratos? Sérieux? Des mines et tout? Ah bah... Écoute, c'est cadeau, il nous donne plein de trucs. Bah oui, donc c'est gratuit. Les bordereaux sont pas gratuits par contre apparemment. Si tu veux, il y a une petite figurine Bilal sur l'établi là. Où c'est ? Juste là, là. Ah ouais. J'ai jamais su à quoi ça servait. Moi non plus, j'imagine que ça doit être des trucs de collection pour les succès, genre de choses, mais... Bon, du coup, alors, il y a une quête. Non, c'est lui qui a une quête. Non, c'est quelqu'un d'autre qui a une quête au-dessus. Viens voir par ici. Je viens d'avoir une illumination. T'es où? T'es là. Tu veux faire exploser ce truc là? Non, tu veux pas faire exploser ce truc là. Oh là 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 là. Heureusement qu'on n'est pas en. Qu'on n'a pas d'armes quand on est dans les safe zones. Hein. C'est bien dommage. Et elle est où cette quête là? Ah, c'est un tableau des primes. Cœur des ténèbres. Fidèle, nous avons récemment fourni des cartes à Nicolas de reproduction des rapaces. Vous allez devoir en rajouter un à la grotte à flanc de falaise près de l'hôtel. C'est l'île plus récente, le plus proche et donc le plus dangereux. Évitez-le à tout prix. Ok, très bien. Ah merde, faut que tu sois là. C'est con ça. J'ai tous les trucs dont j'ai pas besoin. Il y a un marchand aussi. Ouais, c'est là où je suis. Est-ce que t'es au-dessus? Ah ouais, d'accord, il y a une deuxième zone. Decisions. Alors, on vend tous les objets de valeur déjà. Ensuite, ça. Ouais, bof. Ça, c'est cassé. Ça, c'est nul. On va en garder qu'un seul. On a un piolet. On va virer ça. Et viens prendre quelques quêtes avec moi. Et où? Je suis sûr que ça te plaira. Tiens, c'était là. Personne disparu. Encore une quête dans le drapace, ça. Surveillez vos réserves, ces monstres ne font pas que profaner les tombes de nos chers. Nos êtres chers nous prêtent aussi nos boîtes de conserve maintenant. Regarde, on a vu un du côté de la grotte près de la plage. Ah bah c'est le truc qu'on avait déjà fait. Ouais, c'est le truc qu'on a déjà fait, ouais. D'ailleurs visiblement on a eu l'XP. Vous vous souvenez comment on traitait Barry et Crème des faibles de feignants? Je crois qu'ils ont juste marre et ils ont essayé d'aller voir les hangars près des silos. J'ai bien essayé de leur expliquer que mort et stupide n'était pas le contraire de feignants et faibles, mais ils n'ont rien voulu savoir. Très bien. Bon bah écoute. Pourquoi il m'a mis automatiquement cœur des ténèbres? Je t'ai pas demandé de suivre cœur des ténèbres. Voilà. Faut qu'on atteigne le camion de Silas. Et c'est quoi ce truc? Ah, il est là. Oh, c'est sur l'autoroute, ça va aller tout seul. C'est quoi ce marqueur? Je vois pas ce que c'est. Ouais. Espèce de marqueur avec une croix là. C'est un losange et
Ah, là, il y a une prime, d'accord, ok. Ah oui, c'est les trucs, c'est les trucs multijoueurs, ouais, on s'en fout. Ah, il y en a pas un peu, quoi. Ouais, non, il y en a pas un peu. Bon, bah, on a survécu la nuit. Ouais. Ça, c'est la tienne, ça. Alors, est-ce qu'on veut éventuellement pouvoir des trucs à réparer, parce que... Hop, on répare tout. Là, on a rien de mieux, on a rien de mieux, on a rien de mieux. On a rien de mieux, là on a que dalle, on a que dalle, et là on a que dalle. Parfait. Moi je te suis. Je n'ai pas la route. Un zombie. Je sais pas, t'as dit que c'était sur l'autoroute et que c'était facile, alors moi je te suis. En théorie, c'est sur la route. Serré. Attends. À la base, il y avait un événement là, les gens ne peuvent pas s'en dégoûter. Mito, on voit que tu t'es arrêté, qu'est-ce qui se passe? Là, il y avait des gens ici, il y avait un event, je sais pas ce que c'était. En tout cas, les gens sont morts parce que j'ai. Ah. Tu crois qu'on leur aurait genre sauté dessus, foncé dedans en bagnole et. Oui, c'est à peu près ça. Pas te faire confiance, hein. Moi je te suis à pleine vitesse là et bam d'un coup. Ouais, mais c'est pas ma faute. Putain, il est où le crochet, le crochetage là? Je le trouve pas. Ah, elle est très difficile cette enduit. Ah, c'est là. Hop là, c'est bon, j'ai ouvert le camion de flic si tu veux. J'arrive. Trouver de la merde dedans. Ah, nickel. Bon, peut-être que dans la bagnole de flic on trouve du caoutchouc. Ok, pourquoi pas. Donc t'en as un deuxième si tu veux te réentraîner à accrocher. Tant que je te fais confiance. Pistolet américain composite. T'as trouvé quoi? Un pistolet américain composite. Ah bah c'est pas mal, moi j'ai une vieille hachette pourrie. Faut s'y redouter, c'est un peu mieux. Bah j'ai une vieille hachette pourrie. Ah bah voilà, il y a de la justice quand même. Crash test zombie. Ah oh, putain! Le zombie explosif quoi! Ah, pas de balle. L'enfer quoi! Pas ah oups! J'ai vu la tentative. Merde! Je valide. Putain. Ma voiture! Ma tuture! Réinitialiser la position. Voilà. Ah bah je reviens en haut du coup. Parfait. Ouais, mais y'a un mec devant là. Je peux pas sauter, bah, y'a un mec devant, c'est pour ça que je me suis. Mais on est arrivé au camion, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce mais que t'as fait? Mais je voulais sauter là. Vas-y. Fumier. T'écoutes pas la quête, hein, toi, c'est tout. Ah, y'a un mec. Oh shit, sorry. I think there was anybody in here. I'll bet you didn't. Thieving little some bitch. Hey, well, relax. It's not like that. I was just looking for some parts to fix up my ride. I wasn't gonna steal it. Bon, if it's allume, parts pas. You want, it's parts you can damn well buy. Jacob Graves is the name. Kyle Crane. Good to meet you, Kyle Crane. Now listen here. These parts is mine. You want some? I'll sell you some. But ain't nothing for free. Understood. Ou alors on le bute. Je veux dire, au bout d'un moment, les gars. Hey, on a une zone sécurisée, c'est quand même pas souvent. Ouais, on peut le buter aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Pièce de moteur level 2, bah vu la thune on prend hein. Pose pas de questions, allez ça on prend, ça on prend, ça on prend, et ça on prend. Ah mais j'ai turbo et suspension, des trucs que j'ai déjà quoi. C'est naze. Alors les pièces, ça fait 535, 586, on va vendre ça. Les pétards, le liquide conducteur, le reste on garde. Repartez joueur, Jazir.
Hey, une quête là en bas. Ah oui. Alors faut prendre la voiture sinon on aura du mal à... Ouais, il y a le câble qui fait tyrolienne mais bon. C'est la mienne celle-là. Ouais, bon. Salaud. J'avais pas mis mes pièces dedans encore. En plus t'as mis une couleur moche sur la tienne là. Ah c'est quoi cette espèce de truc avec un crâne de zombie sur le tableau de bord quoi. Splendide. Sauf qu'il y a pas de loup. Vache quoi. Sérieux. T'as trouvé ça où? J'ai trouvé ça dans les personnifications. Bah, putain. Oh le machin sans déconner. C'était un piège, il y avait pas de quête. Hein. C'était pour nous attirer. C'est là que t'as un énorme zombie qui pop. J'avoue, c'est quoi ce délire hein. Alors c'est une quête qui va popper après. Ouais, peut-être. Dans d'autres, on va fouiller la camionnette bleue. Nah, disons qu'avec tout le sang dedans et tout, je me disais tiens, on va voir un truc, suivre le sang pour trouver ce qui s'est passé, quelque chose dans le style, mais... Je vois pas trop le délire quoi, il y a des mains. Je vérifie s'il y a ça là. C'est un là. Truc avec un tag. Ah putain, il y a un tag. C'est une course, oh, non. Flemme. Wow. J'avoue. Parce qu'il y a des trucs intéressants. Mais oui, je suis sûr. Putain, pourquoi tu m'as... Mais non. Arrête. Arrête, jeu. Ça suffit. Hop. Tiens, en fait, j'avais pas débloqué un niveau de... Ouais, j'avais débloqué un niveau, non? Non, je sais plus. Non, peut-être pas. On retourne voir Jazir, c'est ça le plan? C'est ça. Du coup, tu pars du mauvais côté exprès. T'as déjà t'as fouillé toute la zone. J'avais pas vu qu'il y avait un truc, un camion ici, tu me le dis pas. Vilain. Oh, pour l'instant, je m'amuse avec des zombies. Tu m'auras pas. Absolument pas dans le bon sens, c'est un explosif! Aaaaaah! Et moi j'ai réussi à l'esquiver, tout est bon. Je suis arrivé sur 80 000, mais je suis arrivé. Ah putain! Lâche-moi! Fumier! Avec les arbres, tu sais pas du tout où je suis. Les saloperies qui te sautent dessus quoi! Moi j'y suis, je t'attends. T'es où? Bah, à l'endroit où il faut rendre la quête. Ah ouais, moi je pensais qu'on faisait notre quête. Non mais j'avais un saloperie accroché sur le mur. Ah non, t'as dit qu'on retournait voir... Ah non, c'est pas Jazir, c'est Bilal. Non, c'est Jazir. Enfin, c'est pas celui-là du tout. Je suis en train de tomber des... tuer des zombies pour rien. Mais ouais, c'est quoi cet endroit là? C'est rien du tout cet endroit. Où est-ce que tu nous as emmené? Où est-ce que je suis? Quoi? Non mais je suis dans un endroit assez sympathique. Avec plein de zombies morts partout, des citrouilles. On peut rentrer. Citrouilles? Arrête, ah ouais, bah écoute, je sais pas quoi te dire moi, c'est des citrouilles, c'est tout. C'est quand même pas ma faute! Mon vouloir qu'il y ait des citrouilles. Il est tapé des citrouilles. Non, je peux en faire avec. Enfin, je suis sûr que toi tu vas tenter de les faire exploser, mais j'ai pas essayé. Du coup, je fouille pour la peine. Ah, si tu vas dehors, t'as un petit paquet de trucs à récolter. Genre avec les zombies morts, par exemple. Ouais. Alors là, il y a un hôtel, on peut faire des trucs avec. Non. Ah, ils avaient préparé leur valise, mais ils ont pas pu partir, visiblement. Ah oui, mais ça, quand on passe plus de temps à mettre des citrouilles que à fuir des zombies. Il y a un trophée de course hein, dans la chambre. Et là, il y a des caisses. Ah, regardez-moi cette petite caisse, on la connaît.
Il y a la caisse avec le dragon que Chopiti a fait. Une scie égoïne. C'est bon ça. Bon bah dans le grenier de la baraque il y a trois coffres crochetés à ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de loot dedans. C'est pas mal de... J'ai ouvert un frigo. Oh mon dieu. Oh non, dans le frigo il y avait un baklava, il l'a bouffé direct. Oh. Non. Cet homme est une poubelle humaine, c'est pas possible. Tout ce qu'il trouve à bouffer, il le mange. Bien toi, t'aurais pu trouver ça dans les chiottes. Bah franchement, là, j'en étais pas loin. Alors tu disais qu'il y avait des trucs à looter dehors. Hein. Oui, effectivement. Là, je cherche l'accès au grenier. Il est dans le couloir, il y a un petit trou dans le plafond. Ah ouais, effectivement. Habile. Les copèches égyptiens, étant donné qu'on est supposé être en Turquie, ça fait de la logique. Il y a un petit peu de trucs à ramasser. Un petit peu. Par ici. Tel qu'il y a un bon vieux poteau pour te flâner. Elle a un marteau cette conne. Ça suffit un peu. Quelle? Non, là il y avait une fille qui avait un marteau dans les mains. Ok, ici il y a un petit truc pour sauter, parfait. Pour faire la... Faire la tyrolienne, ouais. Ah oui, j'ai même pas vu. Aïe. Par contre, faut pas tomber de la tyrolienne. Ah bah, écoute hein. Bon, faut aller voir Jazir, c'est ça? Bah du coup, ouais. Alors, si on suit la route, tac tac tac. Ok. 1, 2... On tourne. Ok, c'est bon, je vois pas où c'est. Vas-y, je fonce. Ta bagnole, moi je suis sûr qu'elle fume pas autant. Il y a des flammes et tout, toi. Le défi du destructeur. Faut buter un destructeur avec une voiture. Ouais, bah ce sera pour une autre fois. On a essayé, on a eu des problèmes. Mais. On sent que j'ai un moteur un petit peu plus amélioré. J'accélère pas trop pour te rattraper. Ah mais mets ton clignotant, faut que je sache que tu tournes. J'ai tendu le bras. Ah non, pardon. C'était un bras de zombie qui était passé. Si c'est ça, j'ai tendu le bras de zombie. C'est quoi ça? Quelque chose qui m'a quasiment one shot dans ma bagnole. Je crois pas que c'était un explosif. Peut-être autre chose. Peut-être rouler sur le zombie explosif que je venais de renverser. Ah, peut-être. Quick! On arrive! Je sais pas où t'es, mec, mais on arrive! Ah, c'est lui là, le point bleu? Ouais, j'essaye, j'y vais, on arrive. Putain, ils m'ont foutu des. Putain, les explosifs! Merde, on est un peu trop fort. T'es où le truc? Dégage, ça te concerne pas. Putain. Ah, je suis un peu les conneries là. Bien joué. Oh, c'est bon là, hein. Voilà. C'est bon, y'a plus personne. Calme-toi.
Voilà comment on fait. On fait des donuts, on fait des burns et on les tue tous. Ce lieu sacré, ouais, ben, c'est un arme avec des rubans là, faut se calmer quand même. Et oui, un arme à du ruban, oui, bon, il y a ça aussi. Ah oui. Sens de l'observation, 0 sur 20. Hein. Ah écoute, hein, c'est pas ma faute, hein, je suis bugué sur la plante qui était dans le mur là. Oh la belle fleur, c'était un tas de cadavres derrière. Oh elle est belle la fleur là, c'est sympa. Sympathique cette fleur, dis donc. Ah ils savent arranger leurs hôtels. Hein. Ils sont mignons tout plat. Bon alors du coup c'est cassé ça, et je peux pas le réparer. Ah, c'est vrai, faut qu'on prenne la récompense, c'est trop dommage, hein, 300 balles. Bon par contre j'ai plus de munitions. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas fabriquer un truc un peu bien? Une épée angélique, on pourrait faire une épée angélique. Ouais, on va faire l'épée angélique, c'est le meilleur. Ah, mais en fait, le nom, les pièces dans la voiture ont aussi un nombre de réparations. Ah bah, il s'agirait pas que... Quand on a des méga turbos, etc., en fait, du coup, il faut faire gaffe parce qu'on les a pas à titam. Parce que si, au bout d'un moment, il meurt. Et du coup, ça veut dire qu'il faut pas les réparer dès qu'ils sont un tout petit peu endommagés. C'est ça. Accessoirement. Bon bah du coup, on va pouvoir arrêter l'épisode hein, parce qu'il est bien assez long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.